On va continuer, j'en parlais tout à l'heure de Marie qui nous a parlé la semaine dernière et qui a contacté donc du coup Stéphane Jouve qui va être avec nous, paléontologue responsable des collections géosciences de Sorbonne Université. Ah oui, c'est le challenger de la semaine. Et ben Stéphane, merci beaucoup d'être avec nous. Mais je t'en prie, c'est tout le plaisir pour moi. C'est vrai que c'est pas un sujet qu'on a l'habitude d'énormément traiter. J'en Est-ce que même trois, pour les gens qui connaissent pas hyper bien paléontologue, c'est qu'est-ce que c'est au quotidien, c'est quoi, quel est ton métier si Alors ça dépend. Ça dépend quel est le poste qu'on occupe. On peut être paléontologue au CNRS, auquel cas on fera uniquement de la recherche. On peut être en université, maître de conférence par exemple, auquel cas on fera de l'enseignement et de la recherche. Et comme moi, on peut être plus dans la conservation, auquel cas on va gérer des collections, c'est-à-dire les fossiles, une fois qu'on les a trouvés, bah, faut bien les mettre quelque part, les conserver, parce que c'est pas comme les poulets qu'on met au congélateur ou au réfrigérateur, mais il y a quand même des conditions pour les conserver, pour conserver l'information qui va avec ces fossiles. Ça, c'est important. Un fossile où on n'a pas l'information d'où il vient, où il a été trouvé, c'est un caillou, hein, on peut le mettre à la poubelle. Okay. Donc c'est cet aspect conservation, j'ai cette casquette-là à Sorbonne Université et je fais aussi de la recherche. Okay. Et avec l'université, avec le Muséum d'Histoire Naturelle, puisque le laboratoire de recherche est à cheval sur les deux institutions. Ok, c'est vrai que comme je disais, nos refs, et je le sais, c'est souvent Jurassic Park, etc. Il y avait une vidéo, qui a tourné, je crois, il y a 3 ans, qui était un peu virale. À quel point c'est réel, Théo, je veux bien que tu m'envoies la vidéo, tu vas voir. Il y a ça qui a été sorti. C'est réel à ce qui se passait. Les dinosaures ressemblaient à ça. Je crois qu'il y en a un deuxième qui passe qui avait des plumes. Ça c'est un T-Rex, Tyrannosaurus Rex. Oui, a priori, c'est Tyrannosaure. Donc, c'est nord-américain. Ah, on leur a fait des plumes sur le dos, c'est assez controversé. C'est parce qu'on a. Alors, si on lui en a mis sur tout le corps, ça c'est faux, ça c'est sûr. Ok. Parce qu'on a retrouvé des empreintes de peau. D'accord. De Tyrannosaure et de ses cousins. Donc, on sait qu'au moins partiellement, ils avaient des écailles. Mais il y a certaines hypothèses qui suggèrent qu'ils pouvaient avoir certaines zones, notamment au niveau du cou, de la queue, avec des plumes, mais on n'en a pas la preuve formelle. Et peut-être que les jeunes avaient des plumes. Parce qu'il fait partie d'un groupe des dinosaures carnivores où on a des plumes. C'est vraiment les oiseaux actuels. Quand vous allez à McDo, tu parlais de McDo tout à l'heure, quand tu manges des nuggets, tu peux sortir en disant « je viens de manger du dino ». Okay. Oh, c'est glauque. La classe, hein. Et ça fait toujours plaisir. Une boîte de vin. Et du coup, les oiseaux sont des dinosaures. Et les tyrannosaures sont des cousins, alors éloignés bien sûr, mais sont des cousins des oiseaux. Et donc, certains de ces cousins, notamment un animal qui fait partie du groupe des tyrannosaures, mais un très ancien, beaucoup plus ancien que le tyrannosaure, qui est vraiment à la toute fin du Crétacé, au moment où les dinosaures vont disparaître. Donc des formes qui sont plus anciennes, où on a des traces, où on sait qu'ils avaient des plumes. Ok, d'accord. Donc en fait, ce serait chez ces grandes bestioles, les très grosses formes où les plumes seraient perdues. Ok. T'as dit Tyrannosaurus Rex, comme on l'a vu, t'as dit Amérique du Nord. Oui. C'est parce qu'ils étaient uniquement américains. Ah d'accord, américains. Ok. Je veux pas du tout. On a des formes, des cousins, le Tarbosaurus en Mongolie, par exemple, qui ressemble beaucoup. Hein. C'est un cousin, mais c'est une espèce différente. D'accord, ok. Le Tyrannosaurus Rex, c'est vraiment nord-américain. Ok, je sais pas du tout. Et du coup, moi, j'avais une autre question, parce que ouais, moi, ma référence absolue, c'était Jurassic Park. Mais du coup, si l'apparence, elle était un peu différente, voire absolument différente, moi, je me posais la question du cri. Parce qu'il a bien fallu inventer le cri pour le rendre terrifiant, etc. Est-ce qu'on est en mesure de pouvoir dire que le cri ressemblait à ça ou c'est totalement fabulé ? Alors, c'est compliqué. Je pense que dans Jurassic Park, en plus, à ce moment-là, on était très, très loin de ça. Reconstituer le cri des animaux fossiles, c'est compliqué. On n'a que de l'os. On n'a pas la matière organique. Mmh. On peut avoir quelques os de la gorge, l'archéoïde, enfin, l'osioïde qui peut permettre de faire quelques suggestions, mais c'est indirectement où on peut avoir des informations sur le cri des fossiles. C'est en étudiant, paradoxalement, l'organe qui sert à écouter.
Dans le cadre de mes recherches, je travaille avec un étudiant et un collègue à Lyon sur des crocodiles. Alors, des crocodiles qui ne ressemblent pas du tout aux formes qu'on connaît actuellement. Hein. Des crocodiles vraiment terrestres, qui ont des gueules de dinos quasiment, qui sont juste après la période des dinosaures, donc après la disparition. Et justement, on a pu faire des scans, des CT scans, les mêmes CT que pour l'ingénierie, ou pour étudier des pièces en ingénierie, ou pour les scans médicaux. Et on étudie l'oreille interne. Et avec l'oreille interne, par comparaison avec les formes actuelles, on peut étudier et voir à quelle fréquence ils entendaient. Mmh. On va savoir si les animaux entendaient plutôt dans les hautes fréquences, dans des moyennes fréquences, dans des basses fréquences, voire des très basses fréquences. Alors après, les interprétations peuvent être discutables, mais ça permet de déterminer les sons qu'ils entendaient et donc probablement les sons qu'ils pouvaient émettre. Donc c'est plus indirectement qu'on va pouvoir connaître les sons que pouvaient produire les dinosaures, par exemple. Par rapport à ça, tu parles justement des pierres fossiles, etc. Est-ce que, c'est peut-être très con hein, comme question, mais est-ce qu'on a tout découvert, ça y est, entre guillemets? Est-ce qu'il y a encore beaucoup de choses à découvrir à ce niveau? Est-ce que vous avez encore des gros questionnements? Oui, on a encore énormément de choses à découvrir. On a plein de choses qui souvent se remettent en question, enfin sont remises en question en fonction des découvertes que l'on fait. On décrit des espèces continuellement, des nouvelles espèces. On a des nouvelles méthodes, ce qui est extrêmement intéressant, notamment moi qui gère des collections au sein de Sorbonne Université. On a des collections qui ont été constituées, qui sont historiques, qui ont été constituées au 19e siècle, en très large partie. Et on pourrait dire, ma foi, ça a été étudié en long, en large et en travers, c'est bon, on peut mettre ça à la poubelle. Non, parce que maintenant on développe des nouvelles techniques. Les CT scans dont j'ai parlé, c'est-à-dire des crânes qui étaient trop compacts pour pouvoir les préparer et accéder. Maintenant, on les scanne. On n'a même pratiquement plus besoin de les préparer mécaniquement et physiquement. On a accès au cerveau, au passage veineux, au passage des nerfs, l'oreille interne, la forme du cerveau. Donc, on sait si c'était un animal qui avait un odorat développé, une vision, etc. S'il y avait des cavités... des glandes à sel pour les animaux qui sont marins, etc. Et puis la géochimie, c'est-à-dire qu'on va faire des prélèvements sur les fossiles et en faisant des dosages avec les sédiments autour, on va déterminer, on peut déterminer par exemple si les dinosaures étaient à sang chaud entre guillemets ou à sang froid, etc. On va pouvoir déterminer des paléoclimats, etc. Donc les anciennes collections, on retourne dessus. Pour les étudier de manière différente. Avec les nouvelles méthodes, quoi. Avec les nouvelles méthodes. Et donc, dingue, la technologie du scan, pardon, mais c'est vrai qu'être capable, en un scan maintenant, de tout savoir jusqu'aux terminaisons nerveuses et tout. C'est formidable, parce qu'en plus, on peut imprimer en 3D le cerveau. On peut envoyer les fichiers aux collègues à l'autre bout du monde pour travailler sur les mêmes choses. Et on n'abîme plus les fossiles. Avant, quand on voulait avoir accès au cerveau, on tronçonnait. Ouais. Au pire, on usait, donc on faisait... Rien trouvé. Je t'envoie une tranche, tu checkes de ton côté. Tu checkes. C'était exactement ça. On coupait une tranche, on faisait une photo. On refaisait une tranche, on faisait une photo. Ah, et la somme des photos permettait de reconstituer en 3D le cerveau. Sauf qu'à la fin, vous n'aviez plus que des photos et plus... Ouais, t'as des miettes à côté. C'est de la miette, de la poudre. Du coup, ça soulève une question. C'est que j'ai l'impression que vous bossez vachement dans l'hypothèse. Forcément, toujours dans l'hypothèse, dans l'interprétation. Ce qui fait que j'ai l'impression que, contrairement à l'histoire un peu plus récente, où on pourrait avoir des écrits, ce genre de choses, bon, là, concrètement, il n'y a rien du tout, si ce n'est des fossiles. Mais du coup, est-ce qu'il y a des choses dont on est sûr? Oui, on a des choses dont on peut être sûr, grâce à l'anatomie, la morphologie. Sûr. Ça, on a des faits, on est sûr. Là où on va être un peu plus... Où ça va être... On va être un peu plus dans l'hypothèse qui peut éventuellement être mise en question. C'est sur des choses où on va avoir des preuves indirectes. Typiquement, par exemple, la disparition, la crise crétacé-tertiaire, entre le moment où on a des dinosaures, le moment où on en a encore, mais que les petits piafs. Ouais. On n'a plus les gros. Là, c'est compliqué. Donc, on ne sait toujours pas? Si, on a des hypothèses qui tiennent la route. La fameuse météorite, on a quand même des choses. Moi qui suis spécialiste aussi des crocodiles, il se passe des choses aussi chez les crocos, mais inverse des dinos.
C'est-à-dire que chez les crocos, eux, avant, ils occupent certains milieux. Et pile après la crise, ils colonisent les milieux qui sont laissés vacants, notamment les milieux marins où il n'y a plus les grands reptiles marins. Ah oui. Les crocos prennent la place. Sur le continent, on en a avant, on en a après, dans les mêmes milieux. Et ce qui conforte l'hypothèse d'une crise sur du court terme. Ce sont des animaux qui ont une physiologie différente. Et les crocos sont plus résistants sur des crises de court terme. Ils peuvent passer des crises de court terme. Des crises de long terme, des crises climatiques ou ce genre de choses, ils n'aiment pas du tout. Alors, mais on n'a pas de certitude. Il y a des articles qui sont sortis il n'y a pas très très longtemps qui relancent aussi l'hypothèse du volcanisme en Inde qui est un petit peu antérieur à l'impact de la météorite. Il est fort probable d'ailleurs que ce soit une conjonction des deux. Que les dinos aient pu s'adapter au changement climatique lié à l'impact de la météorite, mais que voilà, ils aient pu être potentiellement affectés par ce changement et puis la crise, trop brutale avec la météorite. Les a pas fait. Mais c'est toujours, vous cumulez des hypothèses en fonction des espèces, etc. Comment elles ont actuellement évolué. C'est vraiment l'hypothèse de la météorite qui tient en cordes. Vas-y, j'y pense. C'est pas ultra frustrant de passer sa vie sur de la recherche de l'hypothèse ? Non, c'est ultra motivant. Justement, on peut même contredire ce qu'on a dit. Moi, je travaille sur... Tu t'es déjà contredit, quoi. Absolument. Ouais. Ce que je suis en train de faire. Il y a un article qui est en cours. Je dois le renvoyer dans quelques semaines. Je contredis pas, je modifie mon hypothèse de départ. C'est-à-dire, sur les crocos, j'avais des choses... Où mon hypothèse, c'était on n'a pas de crocos dans le milieu marin parce qu'il y a des mosasaures, les gros reptiles marins. Et donc, ils sont quasiment inexistants avant la crise. Et après la crise, pouf, ils apparaissent. Et ils se diversifient. Ce n'est pas tout à fait le cas. À l'époque, il y a 10 ans, on n'avait pas les mêmes gisements, on n'avait pas les mêmes connaissances sur cette période-là. Et du coup, j'ai revu un peu mon hypothèse puisque ces crocos, ils étaient présents. Pas super diversifié, pas énormément d'espèces, mais beaucoup plus que ce que je pensais. Mais ils n'étaient pas effectivement dans le milieu marin. Ils étaient dans les milieux continentaux, dans les rivières, dans les fleuves. Et donc, effectivement, comme c'est des milieux où on a une fossilisation qui est beaucoup plus complète, on n'avait encore pas le registre fossile qui permettait de suggérer ça. Donc j'avais un peu raison, je pense, et un petit peu tort. Parce qu'effectivement, ils étaient quand même là, mais pas dans les milieux où on les attendait. Mais ils bénéficient quand même de la disparition des grands reptiles marins pour passer principalement des milieux continentaux, de l'eau douce, pour coloniser le milieu d'eau de mer. En fonction des nouvelles données. Pardon, Marie. Non, vas-y. J'ai juste une question par rapport à ce que tu dis quand tu réponds que c'est très motivant. Oui. On avait eu l'occasion d'en parler. C'est un cursus qui est quand même difficile. Qu'est-ce que tu dirais aux jeunes qui, peut-être, ont vu le reboot de la saga Jurassic Park, qui sont fascinés par les dinosaures et qui ont envie de se lancer dans le métier de paléontologue? Est-ce que c'est une carrière qui est difficile ou est-ce que c'est facile d'accès? C'est très difficile. Bago. C'est long. Non, c'est très très difficile. C'est très long. C'est compliqué. Il n'y a pas beaucoup de postes. Donc il y a plusieurs filières, comme j'ai expliqué. Moi, je suis vraiment dans la conservation à Sorbonne Université, qui me permet de continuer à faire de la recherche. C'est très difficile. Ce que je leur dirais, c'est déjà de ne pas vouloir faire absolument du dinosaure. On en voit arriver tous les ans. Ah, de la fournée, là, des dinos, diversifiez-vous, là. Non, tous les ans, on en voit arriver qui veulent faire du dinosaure. Et... Il y a sûrement d'ailleurs un effet, on parlait tout à l'heure des effets des séries Netflix. Oui, bah oui. Jurassic Park. Mais bien sûr. Génération Jurassic Park. Tu brises leur rêve ou pas? Je leur dis, vous n'y arriverez pas, en fait. Non, je leur dis, pensez pas qu'à ça. Il n'y a pas que du dino dans la vie. Il y a des choses très intéressantes, mais... Ce serait à refaire. Moi, j'ai fait du croco. Je voulais plutôt faire du vertébré, plutôt du... C'est vrai que j'étais plutôt tenté vers du reptile. J'adore cette phrase improbable. Je voulais faire du croco, moi. Et en fait, il s'est trouvé que je suis arrivé à un moment où il y avait un sujet de thèse sur les crocos des phosphates du Maroc. Donc, tant mieux. Mais ce serait à refaire. Je me dirigerais peut-être sur la paléobotanique. Okay. Ah oui. Donc, c'est les plantes fossiles où il y a plein de choses à faire encore,
qui, effectivement, déjà, l'objet lui-même, il y a des fossiles de plantes qui sont juste magnifiques. On en a dans les collections, j'en ai retrouvé, j'ai remis la main sur des choses anciennes qui n'ont jamais été étudiées, avec des fleurs fossiles qui viennent du Trocadéro, donc pas très loin d'ici, qui n'ont jamais été étudiées, qui sont préservées en trois dimensions et qui traînaient dans les cartons, dans les tiroirs, mais presque ça, à plein de trucs. Elles sont datées. Oui, on sait très bien d'où ça vient, on sait qui les a collectées, qui les a préparées en plus. Donc il y a aussi un aspect historique vachement intéressant. Ouais, juste, il n'y a pas eu d'études dessus. Qu'il n'y a pas énormément de paléobotanistes, de moins en moins, malheureusement, alors que pour les paléoclimats, c'est les paléo-environnements, c'est capital, c'est ultra intéressant, il y a plein de... La paléontologie, c'est pas juste on va étudier des os, machin, c'est bien. Mais c'est toutes les données que l'on peut tirer de tout ça. C'est ça qui est intéressant, en fait. D'écrire des nouvelles espèces. Oui, j'ai trouvé une nouvelle espèce. J'en ai décrit trois dernièrement. C'est pas ça qui me... Qui stimule, quoi. C'est stimulant la première fois. Ouais. Super, je vais donner un nom à une nouvelle espèce. Super, bon, au bout de trois... Il est blasé. Ouais, c'est la routine, quoi. Tu parlais justement de peu de postes, c'est difficile, etc. Petite dernière question, comment ça fonctionne? Est-ce que justement c'est la France qui investit dans ces recherches? Est-ce que vous fonctionnez au point de vue européen, par exemple? Est-ce que comment ça marche? Un peu tout ça. Les postes sont c'est des postes de fonction publique. Enfin, il y a très très peu de paléontologues privés. Il y en a un petit peu dans le pétrole. Okay. Parce que pour les microfossiles, donc les tout petits fossiles, c'est extrêmement intéressant aussi. Hein. C'est très joli. Hein. Si tu as l'occasion de croiser un microfossile, généralement, c'est très beau. Et ils s'en servent, ils utilisent la micropale pour. Parce que c'est un très bon. Ça permet de dater très précisément les couches. Et donc de dater les couches où on peut potentiellement trouver du pétrole. Okay. Qu'ils aiment bien. Mais c'est à peu près tout. Les paléontologues, c'est vraiment dans le public, c'est de la recherche fondamentale. Donc, y a peu de postes, comme je disais tout à l'heure, c'est CNRS. Parce que peu de subventions ou pas? Parce que tout le monde regarde l'espace, par exemple, mais est-ce que ça intéresse vraiment les États d'aller creuser dans le sol et trouver des... Un petit peu, mais bon, je dirais qu'on n'est pas ceux qui recevront le plus d'argent. C'est même pas leur prio, quoi. Pour ce qui est conservation, notamment les universités, notamment la nôtre, mais fait vraiment des efforts pour ces collections qui ont un intérêt scientifique énorme. Pour la recherche, c'est parfois difficile. Les recrutements, il y a eu des recrutements un peu ces dernières années parce qu'il y a eu tous les gens qui sont rentrés dans les années 60, qui sont partis à la retraite pratiquement tous en même temps. Ah oui, ça mais bien. J'ai peur que d'ici les prochaines années, d'ici les 10-15 prochaines années, ce soit compliqué, parce qu'il y aura moins de départs à la retraite. Les places sont prises et il n'y en a pas de nouvelles qui s'ouvrent des postes. Beaucoup sont dans ma génération ou même un petit peu après et du coup, il va falloir attendre encore un petit peu avant qu'on parte à la retraite. Beaucoup d'optimisme. Ça occupe. C'est très difficile. Après, pour les crédits de recherche, on peut avoir des fonds européens, il y a des choses qui sont mises en place. Moi, pour aller notamment voir des collections, on a besoin. Le paléontologue, il ne va pas juste gratouiller et puis... C'est le partage entre ce qui a déjà été trouvé, découvert. 99% du temps, je suis en train de travailler sur l'ordinateur. Bah oui. Je vais plus vérifier, consulter d'autres collections, c'est-à-dire des spécimens qui ont déjà été préparés, que d'aller vraiment sur le terrain récolter des nouveaux spécimens. Ouais. Donc, on peut trouver des crédits pour aller... Il y a des fonds européens pour aller à droite, à gauche, voir les collections à Londres ou Berlin. Okay. Et même pour aller fouiller, on avait eu des fonds par le National Geographic pour aller fouiller en Bolivie. Et ils sont bien. Okay. Ils payent bien et ça les intéresse aussi parce que dès qu'il y a un petit peu de valorisation auprès d'eux, donc c'est un retour, un échange. Ce qui est très, très bien. Bah écoute, Stéphane Jouve, merci beaucoup. Un plaisir de pouvoir avoir ce niveau d'information. Merci beaucoup, Marie, qui était en contact, qui t'a ramené, paléontologue, donc responsable des collections géosciences de Sorbonne Université. Bonne continuation, plein de belles trouvailles, et puis à la prochaine. Eh bien, merci, à la prochaine. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Bonne soirée, ciao. Au revoir.